et enrichissant, quoi. Les mesures sanitaires sont bien sûr respectées. 1,60 m de distance entre deux employés et lavage des mains à l'eau javelisée obligatoire. Venir aider les agriculteurs, c'est l'appel lancé par le gouvernement il y a deux jours. Un appel semble-t-il entendu. On a des gens de la quasi-totalité de la France qui nous appellent. On a embauché une vingtaine. On a l'intention d'en embaucher 20 à 30 la semaine prochaine. Sur Internet, des plateformes comme celle-ci mettent en relation agriculteurs et volontaires. Déjà plus de 100 000 inscrits. La semaine prochaine, le gouvernement lancera une nouvelle étendue à toute la filière agroalimentaire. Les candidats sont sélectionnés selon leur disponibilité et leur zone géographique pour limiter les déplacements et donc la propagation du virus. Je suis intérimaire en électricité. J'habite à une dizaine de kilomètres d'ici. Le travail est bien sûr rémunéré et en cette période de crise sanitaire, toute personne en activité partielle peut cumuler le chômage avec son salaire agricole. Les petits indépendants pourront toucher les indemnités du Fonds de solidarité en plus de leurs nouveaux revenus. En Isère, près de 300 postes de cueillette sont à pourvoir, pas besoin d'être qualifié. On est capable, à mon avis, de former comment cueillir des fruits de qualité et à la fois aussi former les bons gestes pour tenir aussi une journée sans avoir le dos courbé. Au total, selon les syndicats, au moins 160 000 personnes devraient être employées au cours des deux prochains mois. Voilà. J'ai retiré la vidéo parlant de la fameuse friteuse sans huile. Je m'excuse auprès des personnes que j'aurais pu heurter par mes propos au début de cette vidéo, justement. Et puis aussi auprès de la vidéo qui parlait justement du gouvernement qui cherchait au moins 200 000 volontaires, du moins des personnes payées, pour pouvoir faire le travail de ceux qui ne sont plus là pour le faire à cause du confinement. Donc c'est un mea culpa que je fais. C'est pour ça que je montre cette vidéo. C'est comme une forme d'excuse et de remerciement pour les personnes qui s'engagent à aider les personnes seules, les personnes âgées, pour les gestes au quotidien, les courses, pour la pharmacie, les médicaments et d'autres choses encore qu'on ne sait pas. De l'aide, tout simplement. Ces personnes-là, c'est en plus, c'est la jeunesse. Donc, on les remercie vraiment. Personnellement, ça m'a touché. Et je m'en suis voulu d'avoir des propos un petit peu faciles. C'est très facile de dire quelque chose qui va de travers et tourne à dérision, justement, et ça n'a pas lieu d'être. Alors voilà, j'ai simplement voulu faire cette vidéo pour montrer que je suis reconnaissant de ce qui se passe, de la solidarité. J'en suis vraiment... Je continuerai à faire des vidéos pour vous apporter un petit peu de sourire, en prenant du recul sur ce que je fais, beaucoup plus qu'auparavant, en épargnant les uns et les autres. Si une vidéo ne me paraît pas dans la réalité du moment, qu'elle me paraît nuisible pour vous, je la retire. C'est ce que j'ai fait. La prochaine que je mettrai, je ne la retirerai pas parce qu'elle sera réfléchie. Et ça, c'est important aussi. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Bon courage à vous, à votre famille, que tout aille bien, dans le meilleur. Je pense beaucoup à beaucoup de monde. Donc, voilà, c'est ce qui m'amène à faire tout ça, quoi. À bientôt.